de l'honneur, celui qui t'a sauvé, celui qui n'a pas regardé à ce que tu étais, mais qui est venu te sauver. Alléluia! Est-ce que dans cette atmosphère, tu peux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et à dire merci Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, merci Seigneur parce que je suis ton enfant, merci Seigneur parce que à cause du sacrifice que tu as accompli, je ne suis plus esclave de quoi que ce soit. Élève la voix de là où tu es et bénis le nom du Seigneur, car il est digne de l'adoration, car il est digne d'être élevé, car il est digne d'être célèbre ce matin. Et nul n'est comparable à lui, nul n'est semblable à lui. Oui, Seigneur, ce matin, alors que nous sommes réunis dans ta présence, nous te louons et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons ta magnificence, oh Dieu. Nous reconnaissons que nul n'est comparable à toi. Dans les cieux et sur la terre, tu es digne de la louange, tu es digne de la gloire, tu es celui qui mérite notre adoration. Alors que nous sommes réunis ce matin, nous sommes venus t'apporter nos louanges, nos adorations. Seigneur, alors que nous sommes là ce matin, nous sommes venus te célébrer, car nous reconnaissons que tu es digne de la louange, car nous reconnaissons que nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur, tu es digne d'être célébré. Oui, Seigneur, tu es digne d'être glorifié. Et nul ne peut se mesurer à toi. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci car nul n'est comparable à toi. Rata, 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 rata
acclamer, plus important de rêver. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous célébrons un grand Dieu. Nous célébrons celui qui est tout puissant. Nous célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite plus que ça. Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance en poussant des cris de joie? Est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance en poussant des cris de joie, en acclamant le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Tu es Dieu! Tu es Dieu, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia! Les passés, c'est les beaux saints. Nous célébrons un Dieu bon et fidèle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, ton Dieu est bon et fidèle? Ton Dieu est bon et fidèle. Oh, je pense qu'il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux répéter encore? Ton Dieu est bon et fidèle. Alléluia, nous allons le témoigner encore ce matin. Nous allons le déclarer ce matin. Est-ce que tu es prêt? Peuple de Dieu, pousse des cris de joie. Alléluia. Tu peux danser. Alléluia. Aussi le moyen pour toi de montrer ta reconnaissance envers Dieu avec tes pas de danse. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec révélation, en pensant à tout ce que le Seigneur a fait pour toi durant cette année, et tu peux commencer à y penser, à y songer. Alléluia. Et célébrer le Seigneur correctement. Amen. Alléluia. Oh,
timide, hein. Il n'y a pas de timidité dans la présence de Dieu. On y va, on y va, on y va. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Oh,
d'amour, le Dieu de ta vie, oh mon âme. Les prophètes et les mots, ne te trouble pas mon âme, espère en Dieu, fortifie-toi mon âme, il t'a fait du bien. Fait du bien.
Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant et commencer à glorifier l'Éternel? Est-ce que tu peux élever ta voix et remercier le Seigneur? Ne ferme pas ta bouche ce matin. La moindre petite chose que tu trouveras à dire, dis-la lui. Le moindre sujet de reconnaissance, exprime-toi. Exprime-toi dans sa présence. Exprime-toi dans sa présence. Ne ferme pas ta bouche. Les pros satané kesito robo, mator robo satané kote lebo, rapate telebo satan, la bracase oh. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Oui, tu envahis ce lieu de ta présence. Alléluia, yes. Tu envahis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Les manes les mots, ta. Voici un peuple qui est reconnaissant. Voici un peuple qui est reconnaissant envers tout ce que tu es, envers tout ce que tu fais. Tu es merveilleux. Oh, les tata. Quel mot pourrait te qualifier le mieux, Seigneur? Tu dépasses tout entendement. Tu dépasses les mots de mon vocabulaire. Tu dépasses les mots du dictionnaire. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! La brasse que c'est les mots. Matoroko sataya. La braco soto rebesata. Materebo soto. Rakase terebosa. Et reba baba baba. Soto robo sete. La braco soto. Matare que c'est les mots. Seto roko soto. Marebes. Marebes. Alléluia. Yes. C'est les bras. C'est pas ici. Soit tout.
Gloire à l'agneau, gloire, gloire.
Le Seigneur, élève la voix, élève la voix, bénis le Seigneur. Élève la voix, il est souverain, il est digne d'être adoré, digne d'être honoré, digne d'être célébré. Élève la voix et bénis-le, bénis-le. Satatarababababas, Indorobobobo, Sakatarababas, Rakatarabas, Andorobo, Santuria, Likatayababas. Nous voulons te bénir et nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te dire merci de l'Assemblée des Saints. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ton amour à notre endroit. Nous voulons te remercier parce que tu es souverain ici. Tu es digne d'être adoré, digne d'être loué, digne d'être célébré, digne d'être honoré. Béni soit ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Toi le Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, toi le premier, béni sois-tu, toi le dernier, béni sois-tu, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui ne change pas, toi qui es fidèle, toi qui es véritable, toi qui es juste. Nous voulons t'élever ce matin, nous voulons te dire merci, parce que tu es là et que tu marques de ton empreinte de nos vies ici ce matin. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire ce matin. Les catalabas, c'est les bébés, Santa Laba. Les kete kete kete, rakatarababa. Les nolobobobos, andelebe keteria. Les kotolobos, ande, mante kete kete, rakatakata. Bébé, vas-y, vas-y, attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Les kotolobos. Tu ne changes pas. Tu es le même et tu restes le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons parce que tu nous as aimé le premier et tu nous as attirés à toi. Merci pour ce mois de décembre, un mois extraordinaire. Merci Seigneur pour ta main sur nos vies. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour nos familles que tu protèges. Seigneur, nous voulons te dire toute notre reconnaissance. Depuis le 1er janvier 2021, tu étais avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, tu es avec nous. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu es juste. Seigneur, merci. Parce que nous n'avons perdu même pas un cheveu. Parce que
de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. À Dieu. Est-ce que quelqu'un a la joie? Alléluia! Yes! Yes! Exprime ta joie! Exprime! Exprime! Exprime ta joie! Ne regarde personne! Regarde à Jésus! Exprime-lui ta joie! Hey! Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Bonjour à toutes et à tous! Soyez les bienvenus. Alléluia. Nous allons passer au repas du Seigneur. Ok? Nous allons aller à la table du Seigneur et j'aimerais inviter tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion de rester debout et ceux qui ne le sont pas de s'asseoir. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, vous pouvez commencer à distribuer. Nous allons passer. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous lire quelques passages. Le premier passage, ce
donnera mon sang à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Genèse chapitre 3, ce qui a ouvert les yeux d'Adam et d'Ève, c'est la nourriture. C'est la nourriture. N'oubliez pas, on a lu le passage tout à l'heure, vous avez vu dans Luc, ce qui a ouvert leurs yeux, c'est la nourriture. Quand l'onction, l'enseignement et toutes ces choses ne peuvent pas ouvrir les yeux, celui qui mange le pain et qui boit la coupe, ses yeux s'ouvrent. C'est ça que j'aimerais que nous prenions conscience de ce que nous faisons. Alléluia. Ce que tu as entre tes mains, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas quelque chose d'inutile. Alors que tu bois cette coupe-là, dis-toi au-dedans de toi que s'il y a quelque chose qui est étranger et qui combat, à partir du moment où tu bois cette coupe-là, cette chose disparaît. Si elle s'appelle maladie, elle disparaît. Quel que soit son nom, cette chose, elle disparaît. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prendre le pain, tous ensemble. Ce pain qui représente ton corps que j'ai consommé, m'ouvre les yeux afin que je voie, m'ouvre les yeux afin que je distingue, afin que je sache, afin que je discerne. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, Seigneur, sur le monde autour de moi, ouvre mes yeux sur le monde spirituel, ouvre mes yeux dans cette ville, ouvre mes yeux. Afin que je voie dans ma famille les activités, les choses qui se passent. Ouvre mes yeux, afin que je distingue, que je discerne au nom de Jésus. Alors que j'ai bu cette coupe, Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus que s'il y avait quelque maladie, que s'il y avait quelque mal, que s'il y avait quelque mot, que s'il y avait quelque démon, quel que soit ce qu'il y a, quelle que soit la provenance, au nom de Jésus, je viens déclarer ma guérison au nom de Jésus. Je viens déclarer ma libération au nom de Jésus. Je viens déclarer ma délivrance au nom de Jésus. Je viens déclarer que les chaînes tombent, que je suis libre dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le proclame, je le décrète dans le nom de Jésus. Je déclare que mon corps est en bonne santé. Je déclare que mon corps est en bonne santé. Je déclare que je suis bonne santé. Je déclare que j'ai la vie de Dieu au-dedans de moi. Je le déclare maintenant. Je le proclame. Je le réclame. Je dis oui dans
bienvenue dans la présence de Dieu. Avant de commencer, je veux vraiment prendre le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Merci beaucoup, frère Dave. De remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, parce que si je suis là aujourd'hui, donc, je ne suis pas très vieille, d'accord? Je ne vais pas donner mon âge, mais je ne suis pas très très vieille, je pense que vous pouvez le voir. Et j'ai la grâce et l'honneur, en fait, de pouvoir être là aujourd'hui. Et je me souviens, alors que je devais avoir une dizaine d'années, mon papa m'avait laissé dans l'église parce que c'était la réunion des jeunes et j'étais toujours en avance d'une heure à peu près. Et je m'étais tenue devant la chaire, j'avais 10 ans, et je commençais à prêcher. Donc c'est drôle de me tenir là aujourd'hui, ça me rappelle l'enfant que j'étais et j'imitais le pasteur à l'époque. Et donc voilà, c'est assez drôle et en fait c'est vraiment une grâce et un honneur de pouvoir être accompagnée dans sa destinée. Et je peux témoigner qu'à la maison ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, on nous accompagne, on nous pousse, yes. On nous projette, yes. On nous catapulte dans notre destinée. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour quelqu'un que j'ai rencontré il y a à peu près 3 ans, qui est vraiment devenu un père spirituel pour moi. Lorsque je suis venue, j'avais demandé au Seigneur de me donner un père spirituel que je n'avais pas. J'avais longuement soupiré, vraiment, de m'accrocher à une maison. Et j'ai rencontré l'apôtre Anapati Tsenge Tsenge. Et vraiment, vraiment, le Seigneur m'a parlé. J'ai tout de suite été convaincue que j'étais au bon endroit. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour l'apôtre Anapati Tsenge Tsenge, pour le pasteur Paulette Tsenge Tsenge. Vraiment, merci Seigneur, parce que je suis dans une bonne maison et leur amour depuis Paris coule sur moi. Gloire à Dieu, je veux aussi vraiment honorer le pasteur Yvon, le pasteur Tina Mouketou. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont fait confiance également. Et je veux vraiment honorer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a souvent mis des coups de pied aux fesses. Le pasteur Bertin Audenville. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu, pour tout le soutien, pour la confiance et vraiment pour tout le travail que tu fais au quotidien, parce que tu es vraiment celui qui se tient à mes côtés. Et je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi et merci de m'avoir cédé ton micro et ta chair pour aujourd'hui. En tout cas, gloire à Dieu. J'honore aussi mes parents biologiques, vraiment, ils m'ont mis au monde. Et ils m'ont inculqué de bonnes valeurs et ils m'ont fait grandir dans les voies du Seigneur. Donc je vous honore, papa et maman. Ok, évidemment, aujourd'hui, je veux célébrer le nom d'un seul qui est au-dessus de tous les noms. Je veux vraiment célébrer ce nom parce que c'est celui qui aujourd'hui a un trône. Et vous savez, ce trône est inaccessible pour les démons, est inaccessible pour le diable, est inaccessible pour les flèches. En fait, ce trône, il est inaccessible sauf à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que ni Satan, ni les hommes, ni les démons, ni les anges déchus ne peuvent venir devant le trône, attaquer le trône. Que ton nom soit élevé, Jésus. J'honore la présence du Saint-Esprit dans nos vies, en ce lieu, en ce moment. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour toi-même? Non, un peu mieux quand même. Voilà, tu es une perle de prix. Parce que mon papa, mon sauveur, celui que j'aime, mon Seigneur, s'est donné aussi pour toi. Donc je suis reconnaissante pour ta vie. Parce que le Seigneur t'aime et que tu es précieux à ses yeux. Gloire à Dieu, on va commencer véritablement à étudier. Donc effectivement, bon, excusez-moi, j'ai mon ordinateur, hein, technologie, tout ça. Je n'ai pas encore la tablette, donc du coup, voilà. Mais en tout cas, le titre d'aujourd'hui, sur se focaliser sur son action de grâce, c'est la reconnaissance, signe évocateur de notre appartenance à Dieu. C'est une grande responsabilité pour moi d'introduire ce thème, même si l'apôtre a introduit ce thème déjà jeudi lors du grand live. Mais c'est quand même quelque chose de très important et je bénis encore une fois le Seigneur.
est-ce que la première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que l'on sait ce que veut dire rendre grâce? Parce que bien souvent, on connaît le mot grâce. D'ailleurs, le mot grâce est utilisé de manière très fréquente dans la Bible, n'est-ce pas? Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est par la grâce. Alléluia. On va dire aussi que Marie a trouvé grâce. Alléluia. Jésus va dire, Père, je te rends grâce. Amen. En fait, on va voir que le mot grâce est utilisé vraiment dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et de manière vraiment diverse dans des contextes différents. Mais on va réellement comprendre aujourd'hui ce que veut dire rendre grâce. D'accord? Donc, évidemment, on parle de reconnaissance. Et on va voir peut-être le lien déjà entre la grâce et la reconnaissance. Mais tout d'abord, on va aller pas à pas et on va comprendre en fait d'où vient le mot grâce. Déjà, on va entendre plusieurs expressions. Il y a action de grâce, par exemple. On sait que action, c'est faire quelque chose. D'accord? C'est mettre une force qui permet de mettre en action. D'accord? Donc déjà, rendre des actions de grâce, on voit que derrière, il y a un mouvement, il y a une action. Ok, la grâce, on dit souvent que c'est la faveur. D'accord? La faveur de Dieu. On va plus souvent entendre la grâce de Dieu comme une faveur imméritée. Ça veut dire en fait que tu ne méritais pas, mais le Seigneur, en fait, pas que le Seigneur, mais là, dans ce contexte, le Seigneur va quand même te donner quelque chose, va quand même te relever, va quand même faire quelque chose, d'accord? Donc, rendre grâce, la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Amen. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. On va vraiment garder ça à l'idée, ok? En tête, la grâce est quelque chose d'immérité. Ça veut dire que la grâce ne nous appartient pas. Alléluia. Si je suis là aujourd'hui, ça ne m'appartient pas si je suis venue ici aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé en quelque sorte, ce n'est pas moi qui ai dit « Pasteur Bertin, aujourd'hui je prêche ». Donc la grâce en fait ne m'appartient pas. D'où elle vient, ce n'est pas moi qui l'ai actionnée. Okay? Ce n'est pas moi en fait qui ai dit « Grâce, viens à moi ». Oui, je peux soupirer, mais si Dieu n'entend pas mes soupirs et qu'il ne dit pas « Oui », je peux soupirer des années et des années. Ok? Ok, très bien. On va avancer. La première fois que l'on va voir, en fait, la manifestation de la grâce, ou plutôt, je vais dire, la reconnaissance dans la Bible. D'ailleurs, est-ce que vous savez, moi j'ai dû chercher. Mais vous allez voir que déjà dans la Genèse, lorsque, à l'époque d'Adam et Ève, moi j'ai été un peu étonnée de voir qu'entre la création d'Adam et Ève et le moment où ils vont chuter, on ne voit pas des actions de grâce de la part d'Adam et Ève. Est-ce que vous le saviez? Et moi, je me suis étonnée, je me suis dit, tiens, c'est assez marrant de voir cela. Ensuite, on va voir que la première fois dans la Bible, on va voir la reconnaissance, c'est justement les enfants d'Adam et Ève qui vont, et c'est qui? C'est Caïn, le premier. Ensuite, il y a Abel. Et vous allez voir que c'est Caïn qui va initier auprès de Dieu une offrande des prémices de la terre qu'il avait reçue. Ok? Ensuite, Abel va voir son frère faire cela. Il va se dire, tiens, c'est une bonne idée. J'aime bien cette idée-là. Donc, je vais le faire aussi. Qu'est-ce que d'abord, je voudrais qu'on puisse comprendre. On va lire ensemble. Désolée parce que je n'ai pas du tout donné au multimédia. Du coup, c'est dans Genèse 4, 1 à 15. Ok, je commence à lire. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Cette fois-ci, on voit que de suite, elle rend grâce à Dieu. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi, pardon, de dominer sur lui. » Je vais d'abord faire une pause ici.
et on va un peu revenir juste avant à Adam et Ève. Lorsque vous vous souvenez de la chute d'Adam et Ève, vous allez voir que le diable va donc être au travers d'un serpent. Il va venir parler à Ève. Je pense qu'on connaît un peu tous cette histoire. C'est bon. Est-ce que quelqu'un ne la connaît pas? C'est bon? Ok. Donc, du coup, à ce moment-là, on va voir en fait que lorsque le serpent va venir parler à Ève, le serpent, en fait, va effectivement amener une certaine confusion. D'accord? Il va amener une certaine confusion. Il va lui dire, est-ce que tu es sûr qu'il ne fallait pas y toucher? Il va essayer un petit peu d'amener une confusion. Mais là où je voudrais attirer, en fait, le regard, c'est sur le fait que Ève, à ce moment-là, s'est laissée emporter dans cette confusion. Ma question, c'est comment est-ce que tu peux arriver à cette étape-là? N'empêche que, enfin, je voudrais quand même dire qu'elle a parlé directement avec Dieu. Bon, non, c'est pas Ève qui a parlé directement avec Dieu, je pense, c'est Adam. Mais Adam lui en a parlé, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est un facteur, mais Ève savait quand même ce que Dieu disait, un minimum. Elle savait quand même que c'était un arbre qu'il ne fallait certainement pas toucher. Elle avait reconnu que c'était le Créateur, Dieu lui-même. Ok? Donc ma question, c'est comment, en fait, est-ce qu'on peut aussi arriver à ce moment-là où la confusion peut venir et se dire, ok, je vais croquer dans le fruit. En fait, moi, j'aimerais me dire, ou j'aimerais vous dire que si on a conscience que ce qui nous est donné, ou ce qui est là, ou les grâces qui sont autour de nous, ou les faveurs qui sont autour de nous, ne nous viennent pas de nous-mêmes, on réfléchit plusieurs fois avant de faire quelque chose. On prend le temps de se poser et de se dire, ok, wait, est-ce que je fais bien? Parce que si je me souviens bien de où est-ce que ces choses sont venues, en fait, je n'étais pas l'auteur. Je n'étais pas celui qui a décidé. Et pourtant, tu viens prendre une décision. Mais pourtant, tu n'es pas celui qui a amené les choses. Voyez-vous, je pense que ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que être reconnaissant à Dieu ou rendre grâce à Dieu, c'est se rappeler au bon moment, au moment opportun de ce qu'il a fait. Parce que ça peut être bien de dire merci, je vais un petit peu prendre un exemple, mais je peux dire merci à quelqu'un, par exemple, vous voyez, de quelque chose, ok, tu me fais grâce, merci, je prends soin, je ne sais pas, de ta plante. Et puis, en fait, vous allez voir qu'au bout d'un moment, la plante, vous allez en faire ce que vous voulez, parce que ça fait des mois et des mois et des mois, et puis quand la personne va venir, tu vas dire, oui, bah déjà, je l'ai gardée, ta plante, hein. Vous voyez, en fait, c'est clairement, en fait, oublier que, de base, quand tu as reçu, tu trouvais que c'était une grâce. Tu t'es dit, waouh, elle me fait confiance. Vous voyez? Waouh, elle me fait confiance. Donc, c'est super. Et puis, de fil en aiguille, on oublie. De fil en aiguille, on oublie. Et puis, on arrive à un point, en fait, où on est clairement ingrat. OK? Et c'est ce qui arrive très souvent. D'accord? C'est ce qui arrive très souvent. Pour revenir à Abel et Cain, je ne vous ai pas perdu, j'espère. Ça va? Je fais des... des ping-pong un petit peu, désolé. Mais pour revenir à Adam et Ève, pas Adam et Ève, à Caïn et Abel, en fait, moi j'ai longuement réfléchi sur ce passage et puis je parlais au Saint-Esprit et je me dis, bon, quand même, Saint-Esprit, je comprends pas trop en fait l'attitude de Caïn. Je comprends pas trop, ou plutôt même, je comprends pas trop ton attitude. Pourquoi en fait ça a créé cette situation-là comme de la jalousie, comme de la compétition? Et je lui dis, mais pourquoi en fait tu n'as pas porter aussi un minimum de regard sur Caïn, histoire que ça se passe bien. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit, oui, je suis aussi fière de toi, merci beaucoup, tout ça? Pourquoi? Et en fait, vous savez, lorsque le Saint-Esprit m'a parlé sur ce passage, en fait, pardon, j'ai compris déjà que lorsque c'est bien que Caïn ait voulu mettre une offrande devant le Seigneur, mais il faut déjà comprendre en fait que l'offrande ou l'action de donner quelque chose à Dieu ne peut pas être simplement, ou plutôt ne peut pas être avec des intentions qui ne sont pas les bonnes. Et il faut faire très attention parce qu'on peut très facilement se tromper sur les intentions, d'accord ? Ici, on va pouvoir voir en fait que Caïn,
désirait vraiment plaire à Dieu. Et en fait, il désirait vraiment le regard de Dieu. Parce que d'une autre part, on va voir en fait que Caïn va comme remettre la faute sur son frère. Au lieu de se poser lui-même la question, bon, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas eu un regard favorable sur moi, en fait, il va tout de suite remettre la faute sur son frère. Vous voyez, il ne va pas comprendre et il va commencer à être en colère. Vous voyez, il va commencer à être en colère. Et c'est là que le Seigneur lui dit, fais attention. Là, tu commences à mal agir, mais si tu agis bien, ça va bien aller. Mais là, tu es en train d'ouvrir des portes. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il était en train de cultiver sa terre et qu'il a vu des prémices, vous savez, rendre grâce à Dieu, comme on a dit tout à l'heure, en fait, c'est rappeler à Dieu, aujourd'hui j'ai ça, mais ça ne m'appartient pas. Parce que à la base, c'est toi qui m'as donné ce qui m'a permis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc je viens devant toi déposer ceci vraiment comme un honneur pour rappeler, Seigneur, je ne t'ai pas oublié, je sais d'où je viens. Okay? Je sais d'où je viens, je sais d'où cette chose m'est venue. Je sais qu'elle me vient de toi. Donc je ne peux pas me permettre, vous voyez, ça permet vraiment de réduire l'orgueil. Okay? Donc quand on vient déposer, c'est dans cet esprit-là. Pour Caïn, en tout cas, je pense que, vous voyez, ça l'a beaucoup touché. Si tu es venu vraiment pour dire au Seigneur merci, ça peut-être te faire quelque chose de voir que ton frère a particulièrement peut-être touché le cœur de Dieu, etc. Mais si tes intentions sont bonnes, en fait, tu te dis, ok, au moins le Seigneur n'a pas refusé totalement mon offrande. Enfin bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop de détails ici, mais en tout cas, plutôt de se dire, ok Seigneur, je vais trouver une autre occasion de te rendre grâce parce que, d'accord, ça s'est bien passé pour Abel, moi aussi je vais revenir et voilà, étudier en fait, me dire quel est mon cœur par rapport à ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné comme celui-là, lorsque tu ne rends pas la gloire à Dieu, si tu rends pas grâce à Dieu, ou si tu le fais d'une mauvaise manière, si tu le fais et que tu te fourvoies toi-même, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas ouvrir des portes. Ok? Tu vas ouvrir des portes. C'est très important ce que nous sommes en train de dire ici parce que, en fait, c'est une clé. C'est vraiment une clé pour comprendre les victoires de la vie. Parce que la reconnaissance permet véritablement à ce que des démons et des esprits ne puissent pas même vous approcher. Et il faut vraiment comprendre que la reconnaissance permet vraiment en fait de garder son environnement, de garder son atmosphère. Lorsque le diable est venu, c'était aussi une terre fertile auprès d'Adam et Ève. Il y a eu d'autres choses, ok, ce n'est pas tout, mais aujourd'hui on ne veut pas forcément étudier le cas d'Adam et Ève, mais ça fait partie aussi des choses qui ont fait que le diable a pu venir auprès de Ève et faire ce qu'il voulait faire. La reconnaissance nous garde de mal agir. La reconnaissance nous garde en fait d'être injuste. D'être injuste dans quel sens? Dieu est juste et quand on dit que Dieu est juste, c'est parce qu'il accorde la bonne attitude, la bonne décision au bon moment, à la bonne situation. C'est ce qui fait que Dieu est juste, en partie. Mais c'est ce qu'on peut comprendre de la justice de Dieu. Si nous ne sommes pas reconnaissants, nous allons nous retrouver à dire des choses quand il ne faut pas les dire du tout. On va se retrouver à faire des choses qu'on n'est pas censé faire. Que ce soit auprès de l'homme de Dieu, par exemple, que ce soit auprès des frères et sœurs, que ce soit dans un contexte d'église, d'accord, et d'autorité, que ce soit même ailleurs au travail, que ce soit quand même ailleurs au travail, il y a véritablement, en fait, un danger.
si on n'associe pas la bonne attitude et la bonne décision au bon moment. Amen. Gloire à Dieu. Et quelque chose d'important également que l'on va voir, c'est que la reconnaissance est quelque chose qui est attaché à Dieu et quelque chose qui est attaché à un enfant de Dieu. Parce qu'on a parlé d'Adam et Ève, mais il ne faut pas oublier qu'avant Adam et Ève, il y a eu l'ange déchu, Lucifer, qui également, en fait, a oublié. Il a oublié. C'est l'apôtre, hein, je reprends juste certaines choses que l'apôtre avait dit, un très bon enseignement, je pense que c'est la guerre des étoiles, je pense que si vous voulez aller regarder. En fait, il va parler un petit peu de ce qui s'est passé et il va dire en fait que Dieu avait donné à Lucifer de garder la terre jusqu'au jour où il allait créer justement la créature de Dieu, Adam et Ève. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, Lucifer était certainement tout content. Apparemment, enfin, c'est aussi ce que l'apôtre disait, il gérait en fait. Vous imaginez tout ce qu'il y avait à gérer. Donc, il était chef de beaucoup d'autres anges. Et c'est lui, en fait, qui était un peu le bishop sur la terre. Dieu faisait confiance à Lucifer. Et lui avait donné beaucoup. Même le fait qu'il puisse mettre un orteil sur la terre, ça lui a été donné par la confiance de Dieu. Parce que Dieu aurait tout simplement pu ne jamais lui permettre même de mettre un petit orteil sur la terre. Et pourtant, il lui a donné tout le contrôle. Il lui a dit, tu me gardes la terre. Et il a oublié. Lorsqu'il a entendu que Dieu voulait créer quelqu'un à son image, il a commencé à être ingrat. Et l'ingratitude amène l'orgueil. Et l'orgueil amène la chute. Donc, comme disait jeudi l'apôtre, effectivement, lorsque vous manquez de reconnaissance, je vous assure, vous rappelez à Dieu Lucifer. L'ingratitude. Voilà pourquoi Dieu, en fait, vous allez voir aussi comprendre la relation entre grâce et rendre grâce. C'est que vous avez reçu une grâce et vous vous rappelez toujours de qui vous l'avez reçue et vous venez déposer devant le Seigneur, je me rappelle de toi. Et vous voyez en fait que même c'était une attitude que les Israélites avaient, que le peuple juif avait. Et même encore dans le Nouveau Testament, on voyait, vous savez, les fêtes des Lumières, la Pâque, etc. Même ce qu'on fait aujourd'hui, le pain et le vin, c'est pour ne pas oublier ce que Jésus a fait. Et le fait que l'on mange également, le fait que l'on boive, c'est pour en fait rappeler la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus et dans cet acte qu'il a fait. Donc en fait, il faut saisir l'importance de se rappeler et l'importance de dire, Seigneur, je ne t'oublie pas. Je sais que c'est toi. Peu importe si je suis celle qui aujourd'hui fait lever toutes les tombes d'un cimetière. Peu importe si aujourd'hui mon ombre guérit les malades. Je n'oublie pas que j'étais sous le leadership du pasteur Bertin. Je n'oublie pas que j'étais à la maison ACER et que ce sont les enseignements que l'on m'a donnés, que j'ai grandi, que je suis tombée, on m'a chicotée, on m'a relevée. Vous voyez, et ça va me permettre de toujours rester où ? À ma place. Ça va me permettre de toujours me rappeler en fait que je suis ici et pas ici. Et cela a une grande valeur parce que, comme je vous ai dit, notre Dieu est juste. Et il accorde toujours au millimètre près. Le Seigneur est parfait. Il accorde toujours au millimètre près les bonnes choses au bon endroit. Alors je t'assure que si tu te places un tout petit orteil ou un petit pas en dehors de là où tu dois être, parce que peut-être tu manques de reconnaissance, la grâce non seulement va mal couler sur toi, parce que sur cette partie-là, il n'y aura plus de grâce qui va couler. Et là où il n'y a plus de grâce, il y a les dangers du diable. Parce qu'on a dit qu'il est comme un loup. Il est comme un loup, comme un lion rugissant.
reconnaissance est une clé importante, non seulement pour grandir en grâce, non seulement pour avancer dans notre destinée, mais surtout pour rester en vie, les amis. Pour rester en vie. Je suis sûre que beaucoup, et je sais, je lâche bientôt le micro, et je sais que beaucoup ont abrogé leur vie. Ont abrogé leur vie parce qu'ils ont manqué de reconnaissance envers leur leader, envers leur père, envers leurs responsables, en tout cas, vous voyez, les autorités dans l'église. Parce que tu peux grandir, mais comme on a dit, à partir du moment où tu n'es plus au bon endroit et que ça ne coule plus, tu vas te rendre compte que c'était ton leader qui te maintenait dans une certaine dimension. Tu vas bien te rendre compte que lorsque tu t'écartes un petit peu, bizarrement, tu tombes plus souvent malade. Bizarrement, quand tu pries, c'est difficile. Bizarrement, tu es attaqué la nuit. Bizarrement, il y a des choses qui se passent. Financièrement, ça ne va plus. Dans la famille, tu n'es plus compris. La reconnaissance. Et je vais terminer par ça. Vous savez, si vous avez du mal à vous rappeler qu'il faut être reconnaissant, rappelez-vous que vous étiez dans le ventre de votre mère. Vous tous, hein. Nous tous. Nous tous. Même Jésus. Nous tous, en fait, on a été portés pendant 9 mois. Si pendant le premier jour, ou même les premiers jours, on t'avait laissé quelque part, tu serais mort. Donc comment aujourd'hui tu peux te permettre de ne pas être reconnaissant à tes parents biologiques? Et vous savez que ce qui arrive dans le monde physique arrive dans le monde spirituel. Il y a des personnes qui ont jeûné pour vous, il y a des personnes qui ont prié pour vous, il y a des leaders qui se sont tenus, parce que vous savez que le diable s'attaque plus facilement à la tête. Donc pendant que vous êtes tranquillement en train de dormir à la maison, il y a certainement parfois le pasteur Bertin qui est là et qui te fait ratatatata. Ratatatata. Et toi, tu ronfles dans ton lit. Juste pour ça, n'oublie jamais que si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que ses grâces et ses faveurs se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Alléluia. Je crois que mon temps est fini. Encore 10 minutes? Ok, gloire à Dieu. Moi, je veux vous demander, est-ce que vous êtes prêts à prier après? D'accord. Bon, prier, c'est bien, mais prier pour quoi exactement? Parce que c'est vrai que c'est bien de ratatatata. Et ma question, c'est comment est-ce que l'on prie lorsqu'on veut être reconnaissant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? L'apôtre a déjà un petit peu parlé et c'est très important en fait de voir que lorsque l'on est reconnaissant, on doit être reconnaissant, ce n'est pas toujours facile. Après avoir parlé de tout ça, ce n'est pas toujours facile d'être reconnaissant. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent nous blesser, qui peuvent parfois, vous voyez, notre regard se déplacer un tout petit peu du trône de Dieu ou de la croix. Il y a des moments où ça peut être compliqué parce que vous êtes un peu négligent dans la prière. Oh, faut qu'on soyons vrais. Soyons vrais. Parfois, on est un peu négligent dans la prière ou dans notre relation avec le Seigneur. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est plus facilement atteignable aussi par le diable parce qu'on n'a pas suffisamment nourri notre esprit. Du coup, nos yeux spirituels, ils sont un petit peu, vous savez, il faut les laver un peu. Un peu comme vous vous levez le matin là et que ça colle un petit peu. Bon, je sais pas, moi ça m'arrive pas forcément, mais bon. Vous savez, quand il faut bien se nettoyer les yeux le matin, en fait, c'est un peu ce qui se passe, vous voyez. Quand on ne prie pas suffisamment, quand on ne... Okay, on n'est pas aguerri dans notre relation, quand il n'y a pas un minimum de discipline. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'aveugler nos yeux spirituels et on est en train de fermer nos oreilles spirituelles. On est en train, en fait, de,
nous mettre dans en fait aveugle par rapport à ce qui se passe spirituellement. Du coup, on est moins alerte, on est moins à l'écoute, on comprend moins la voix de Dieu. On a du mal en fait avec les choses de l'esprit. Même le Saint-Esprit, on a l'impression qu'il est loin. On ne l'entend plus ou on en entend mal, n'est-ce pas? Ok. Donc je parle de tout ça, pourquoi? Parce que ça peut être une des raisons ou un des éléments déclencheurs à ce qu'on arrive à ne pas réussir à voir ce qu'il faut voir, à être reconnaissant. Parce que des fois, je ne sais pas, on t'a peut-être blessé, donc c'est dur de te rappeler que cette personne t'a fait du bien. Parfois, avec Dieu, il y a des choses peut-être que tu ne comprends pas. Du coup, tu as du mal à dire merci à Dieu. Parce que pendant que tu es en train de dire merci à Dieu, il y a ton cœur qui est en train de faire bah, 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 parce que tu as mal. Ok. Donc, quand on veut rendre gloire à Dieu, quand on veut rendre grâce à Dieu, en fait, il faut beaucoup s'humilier. Et vous allez voir le rapport avec l'orgueil et la reconnaissance. Vous allez devoir beaucoup vous humilier. Parce que même alors que votre cœur saigne, même alors que les larmes coulent, mon cher, ma chère, mets-toi à genoux. C'est dur. Moi qui vous parle aujourd'hui, ça a pu m'arriver. Mais j'ai été gardée parce qu'alors que j'avais mal et que je ne comprenais pas Dieu, j'ai dit, je plie les genoux devant toi parce que je me rappelle que c'est quand même toi qui es Dieu. De toi à moi, la personne qui est au-dessus, c'est quand même toi. Donc je me mets à genoux et je commence tout simplement à dire au Saint-Esprit, j'ai mal, mais de tout mon cœur, je veux te dire merci. Merci parce que, et là tu rappelles tout ce que Dieu a fait pour toi. Et assurément, tu as beaucoup de choses à dire. Alléluia. Ok, donc on est vraiment une assemblée qui aime dire merci au Seigneur. On est une assemblée qui n'a pas peur de plier les genoux devant Dieu. Ok, on est une assemblée qui veut briser l'orgueil dans le cœur. Est-ce que tu peux te lever et tu vas simplement commencer à prier en langue pendant quelques temps? Radebo sitirobo sandelebaya. Radebai soto rata katerebo shanda. E seteribayo soto kayelebebebebebe radeba. On va prendre quelques temps pour se concentrer. On va fermer les yeux. On va prier en langue. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Il est question de quelque chose d'important en ce moment. On va ouvrir une porte spirituellement. On va se connecter. On va se connecter. En cet instant, en cet instant, en cet instant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, aïe les bébés, bébé. Oh oui, la baba baba, assora, assora d'abaï, oh chéteriba, soto kazera de baï, oh sandere baï. Le Saint-Esprit veut en cet instant parler à beaucoup. Le Saint-Esprit veut en cet instant vraiment toucher le cœur de quelqu'un. Il y a des personnes qui sont touchées dans leur âme, il y a des personnes qui sont blessées dans leur âme, et ces personnes-là ont du mal à avancer à cause de cela. Le Saint-Esprit va passer, le Saint-Esprit va souffler. Tout ce que je te demande de faire, c'est de ne pas me regarder moi, mais s'il te plaît, le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Donc simplement, est-ce que tu peux te disposer? Oublie là où nous sommes, oublie là ce qui se passe, mais simplement, dis-toi, le Saint-Esprit te parle.
Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te cherche. Le Saint-Esprit t'appelle. Simplement connecte-toi. Et reposito rabai abababa. Assondere bai sora de bae. Assondere bebe bebe. Assonna rapandelele. Assoya ba. Issoya ba. Issoya ba. Issabaye babaye babaye. Fais ton œuvre. 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 Souffle. Souffle. Radapaye lelelele. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que je sais que tu es mon soutien. Parce que je sais que tu es celui qui me comprend. Celui qui me connaît. Alors que je suis là en cet instant, visite-moi. Alors que je suis là en cet instant, couvre-moi. Alors que je suis là, je t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle Saint-Esprit. Radebaï soto radebaï. Et radababababaï. Et radebosa. Je te donne tout. Saint-Esprit devant toi, je veux m'agenouiller. Saint-Esprit devant toi, oh Dieu, je veux te parler. Je veux te parler et je veux te dire merci. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est toi qui m'as donné de l'être. Même si c'est difficile, même si le chemin est long, même si j'ai l'impression que c'est rocailleux, même si j'ai l'impression que c'est compliqué, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors et tu es à chaque instant à mes côtés. Oui Seigneur, merci parce que je sais que tu as rempli ma coupe et ma coupe déborde. Merci parce que tu as fait de moi, Seigneur, des eaux qui jaillissent, des eaux qui jaillissent, une source, Père éternel. Merci Seigneur parce que je sais que tu as fait de moi une lumière pour cette terre. Tu as fait de moi une lumière pour cette terre. Tu m'as qualifié, tu m'as sanctifié et tu m'amènes dans les hauteurs que tu as prévues pour moi. Oui, il n'en sera pas autrement. Parce que Seigneur, je veux t'adorer. Parce que Seigneur, je veux te rappeler cette promesse que tu as faite dans ma vie. Et Seigneur, l'offrande de ma vie est comme une reconnaissance devant toi. Asora de papaye. Asora dabe. Asora dabe. Rabare box. Seigneur, papa. Alléluia. 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 Isouya ravaye. Kora de baye. Sondurubus. Alléluia. Lève les mains et dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, remplis-moi. Fais de moi un fils. Seigneur, reconnaissante. Seigneur, je veux t'appartenir. Seigneur, je veux être à jamais reconnaissante de ce que tu as fait pour moi. Donne-moi une mémoire qui se rappelle toujours d'où je suis venue et qui m'y a emmené. Seigneur, en cet instant, je te demande pardon si j'ai manqué de reconnaissance. En cet instant, Seigneur, je me repens, et je veux te dire que je t'aime, que je soupire après toi. Amène-moi encore plus loin, encore plus haut, dans ton intensité, dans les profondeurs de ta présence. Seigneur. Ouvre
une porte qui m'amène à contempler ta gloire. Seigneur, je viens par ton nom briser toute chaîne, toute chaîne, toute chaîne, toute prison, tout carquois, dans le nom de Jésus. Je viens déclarer que je nettoie mon environnement spirituel dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je te célèbre, je t'exalte, je te rends toute la gloire. Toi qui es assis dans les lieux élevés, je te bénis, je te rends toute la gloire, parce que je sais que tu m'amènes au sommet, au sommet, au sommet, au sommet, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que chacun peut remercier le Seigneur? Rebo shande rebo. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour tes faveurs dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu agis dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc je vais laisser ma place. En tout cas, gloire au Seigneur. Même si on ne voit pas, le Seigneur agit. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Pour la vie de Mélanie. Alléluia. Je sais que vous avez été bénis, n'est-ce pas? On a été très bénis, n'est-ce pas? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des hommes et des femmes puissants ici en ce lieu. Ceux qui ne croient pas au ministère de la femme, vraiment, ils ratent quelque chose. Hein? Alléluia. Nous, nous y croyons. Hein? Alléluia. Amenez les femmes, dites-leur, il y a leur place ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais dire que si tu es là pour la première fois, si vous êtes là pour la première fois et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, c'est l'occasion. Hein? Vous ne savez pas, mais cette vie-là que vous avez, vous ne savez pas d'où vous l'avez obtenue, vous ne savez pas pourquoi vous respirez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous vivez et que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être pour ce temps, cet instant-là. Afin que vous vous réconciliez avec votre Dieu, se réconciliez avec son Dieu. Il y a un créateur dans les cieux, il y a un Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé tout homme. Et ce Dieu-là, ce qu'il veut, c'est que tous ses enfants viennent à lui. À un moment donné, beaucoup se sont séparés à cause de beaucoup de choses. Certains, c'est l'environnement. Ils n'ont pas grandi quelque part où c'est possible qu'on puisse leur donner ce message-là, de leur dire que Dieu les aime. De leur dire que Jésus les aime, de leur dire que Dieu a un plan pour eux. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus, afin que celui-là, il se substitue à nous, qu'il meure à notre place. Qu'il monte à la croix, qu'il meure, qu'il ressuscite, afin de nous faire un cadeau, de nous donner la vie éternelle. Il y a ce cadeau-là qui s'appelle la vie éternelle, que Dieu veut donner à chacun. Elle parlait tout à l'heure de la gêne, du feu. Hein? Mais ce feu-là n'a pas été créé pour les hommes. C'est pour Lucifer. C'est pour Lucifer. Amen. Et donc, Dieu veut que tu
lui donnes totalement ta vie, que tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que ma vie, je viens la déposer sur l'autel afin que ton feu descende dessus et que je t'appartienne totalement. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est-à-dire donner votre vie à Dieu, nous allons vous aider tout de suite. Vous pouvez rapidement, est-ce qu'on peut se lever tous s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever tous s'il vous plaît? Vous allez, si vous n'avez jamais fait ça et que vous voulez faire ça, comme nous on l'a fait il y a des années, vous pouvez juste lever la main là où vous vous trouvez. Vous levez juste votre main et vous venez ici. Levez votre main, nous allons vous accompagner. Vous allez accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Alléluia. N'hésitez pas. Il n'y a pas de honte à avoir. Ne calculez pas votre voisin. L'histoire de salut est une histoire personnelle. Alléluia. Votre vie ne vous appartient pas. Votre lendemain ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient. Vous ne contrôlez rien. Peut-être que vous avez fait des programmes. Vous avez dit le 25, je vais faire ça. Le 31, je vais faire ceci. Je vais faire ceci l'année prochaine. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez vous dire que c'est peut-être la dernière occasion que Dieu me donne de l'accepter comme sauveur. Si jamais c'est le cas, levez simplement la main là où vous êtes et nous allons vous aider. Alléluia. Lève ta main, n'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas peur. N'aie pas peur des regards. Alléluia. La Bible dit que si une seule âme se donne au Seigneur, c'est de la joie dans le ciel. Alléluia. Bon, apparemment, nous sommes tous enfants de Dieu ici. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Ok. On va passer maintenant. On va passer aux dîmes et aux offrandes. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Elle est venue de parler de reconnaissance. Vous savez, l'action. La reconnaissance est une action. Ce n'est pas seulement des paroles. Ok? Les paroles, c'est bien. Mais Dieu veut voir comment nous sommes reconnaissants. Et l'une des manières d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, c'est de faire des actes de reconnaissance. Alléluia. Amen. Et nous voulons faire des actes. Peut-être que toute l'année, Dieu a fait des choses dans ta vie. Tu dois, à la fin de cette année, et au mois de décembre particulièrement, commencer à te dire, Seigneur, je veux te dire que je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que tu prépares une offrande et tu lui donnes ça en disant, Seigneur, voici l'acte correspondant à mes paroles, à ce que je dis par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Donc préparez et quand vous venez donner à Dieu, comme l'apôtre a l'habitude de dire, ne dites pas, oh non, bon, moi j'ai pas besoin de ça. En fait, vous ne pouvez rien donner à Dieu, il a tout. La Bible dit que c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. En fait, il veut tout faire pour vous bénir en retour. Amen. Gloire à Dieu. Et on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est la Bible qui dit ça. Donc, si vous avez à prêter ce que vous voulez donner, vos dîmes et vos offrandes, alléluia. Si vous êtes prêts, vous allez venir donner avec joie. On va commencer par la rangée de droite. Suivez attentivement les indications du protocole par rapport au passage, ok? Pour que ça ne se fasse pas dans le désordre, suivez attentivement. Commencez par l'arrière et puis passez au fur et à mesure. Et contournez, faites tout le tour et retournez à votre place. Et quand on a fini ici, vous faites de même ici. Dieu vous bénisse. Allez, on va se laisser accompagner par les porteurs de réveil. Grâce en multiplier.
êtes en ligne et que vous voulez donner, vous avez dans la description de la vidéo les liens PayPal et le RIB de ACR Montpellier. Vous pourrez semer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui le font via leur téléphone, leur application, vous pourrez y aller également. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, avant de passer aux annonces, j'ai vu que Précieuse est là. Bonjour Précieuse, ça va? Tu vas bien? Voilà, Précieuse, c'est notre sœur qui entre-temps a perdu sa maman. Et nous continuons de la soutenir dans la prière. Voilà, alléluia. Ne la faites pas pleurer, hein. Vous la soutenez dans la prière pour que Dieu la relève. Nous voulons te dire que, voilà, comme moi je te l'ai dit, hein, au nom de toute l'Église, nous sommes de tout cœur avec toi. Et le Seigneur est avec toi. La Bible dit que Dieu, il est le Père. Il est le Père des orphelins et il est le mari des veuves, n'est-ce pas? Et le Seigneur sait prendre soin de nous. Le Seigneur va prendre soin de toi. Amen. Accroche-toi à Dieu. Alléluia. Cet amour-là, peut-être que tu te dis que maman ne va plus te donner. Dieu va te donner ça. Et nous aussi, on est là pour te donner cet amour-là. Sois forte. Amen. Sois forte. Que Dieu te bénisse. Et encore une fois, nos sincères condoléances. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, je vais appeler Doris, notre sœur Doris, pour les annonces. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue encore à tous pour, à l'ACER Montpellier, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Je m'excuse pour ma voix, je n'ai plus trop de voix, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Je vais d'abord remercier le Seigneur pour la vie de notre sœur Mélanie qui nous a apporté ce puissant message. Bénissons vraiment le Seigneur pour sa vie. J'espère que vous avez reçu, en tout cas le message que je retiens, c'est de ne jamais oublier ce que Dieu a fait dans nos vies et d'être toujours reconnaissant. Amen. Nous bénissons également le Seigneur pour notre berger, le pasteur Bertin Audenville. C'est par lui que nous, c'est sa grâce qui coule dans sa vie qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Instagram et Facebook, sur la page de l'église ACER Église de Montpellier. Je veux également prendre le temps d'accueillir les nouvelles personnes. Donc, si tu es une nouvelle personne, est-ce que tu peux lever la main? Ou est-ce que tu peux simplement également te lever? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un QR code pour garder une trace de votre visite. Donc, si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus à l'ACER Montpellier. Yes. Et si vous avez une église, nous saluons vos responsables respectifs. Amen. Amen. Nous voulons également prendre le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Nous avons une pensée particulière pour le pasteur Tina Mouketou de l'ACER Lyon. Yes. Voilà. Nous avons également une pensée pour notre petite sœur Bettina, la fille du pasteur Bertrand. Joyeux anniversaire. Nous rentrons dans une semaine de jeûne, une semaine de jeûne et prière de tout le ministère ACER. Donc voilà, si tu es membre de l'ACER Montpellier, tu dois jeûner et tu dois prier. Donc c'est à partir de demain,
c'est à partir de demain jusqu'à vendredi, sur un thème puissant, saisir l'infinie grandeur de Dieu. Voilà. En ce dernier mois de l'année, si toi tu veux vraiment saisir l'infinie grandeur de Dieu, connecte-toi tous les soirs. Il y aura des lives avec les différents pasteurs du ministère où nous serons exhortés sur ce thème très puissant. Amen. Nous avons également les lives le midi, entre midi et deux, toute la semaine sur la chaîne YouTube Évangile TV. Donc voilà, si tu le peux, sois connecté. Et si tu ne peux pas être là, vraiment regarder en replay, parce que ce sont vraiment des temps édifiants, des temps vraiment pour nous booster dans la foi. Amen. Nous avons également le mercredi matin, entre 6h et 7h, la prière matinale avec la CR Lyon sur Zoom. Donc voilà, vraiment, connectez-vous, challengez-vous. Si tu n'es pas encore du genre à te réveiller le matin, le mercredi, le Seigneur te fait la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir te lever. Donc voilà, ne rate pas à côté de ce privilège. Nous avons également le dîner du gala, donc vous entendez parler depuis quelques temps, le 31 décembre. Donc nous avons, pour le réveillon de fin d'année, nous organisons un dîner de gala. Voilà, donc nous demandons de pouvoir à tous d'apporter une contribution. Mais vraiment, si vous n'avez pas les moyens, ne vous en faites pas, vous êtes les bienvenus. Donc il y a des infos sur les réseaux, sur nos groupes WhatsApp. Donc si vous voulez vous inscrire, rapprochez-vous auprès de la sœur Mélanie pour vous inscrire. Et enfin, on a un nouveau livre de l'apôtre qui est intitulé « Le diagnostic de la foi ». Donc c'est un livre vraiment, si tu n'as pas encore de cadeau de Noël, vraiment saisis-le en fait, saisis-le. Il est en précommande sur le site de l'apôtre www.alainpatrick.fr et il sort sur Amazon le 8 décembre. Donc vraiment, garde 20 euros de côté pour t'offrir cela, pour offrir à tes parents, pour offrir à tes proches. Mais c'est un cadeau, je te conseille de l'acheter, voilà. Et enfin, nous avons un mot de la part du réseau Pionnier qui veut nous adresser un message. Je laisse le multimédia lancer la vidéo. Yes. Gloire à Dieu. En gros, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils veulent nous donner des gâteaux dimanche prochain. C'est pas ça? Ou bien j'ai mal entendu? Bon, donc les pionniers, ils vont faire des petits gâteaux qu'ils vont vendre pour pouvoir faire leurs activités dans leur réseau. Bon, ils ont dit qu'ils vont au bowling et tout ça. Bon, c'est pour évangéliser. Voilà. Vous allez au bowling pour évangéliser, vous allez au ski, ça, je ne sais pas. Voilà, gloire à Dieu, mais c'est super, gloire à Dieu. On va les soutenir ensemble, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Alors, j'aimerais dire, vraiment, bon, c'est un dimanche spécial. Alors, au niveau du jeûne, le jeûne, on a dit que ça commençait demain. Il ne faut pas oublier, si c'est important de jeûner. On va commencer à jeûner à partir de minuit, pas à partir de 6 heures, ok? Un jeûne, c'est de minuit à 18h. Hein? C'est pas de 6h à 18h. Quand tu te réveilles, tu manges bien et puis tu es au calme toute la journée. Non, ça c'est des techniques. Hein? Non, pas ça. On ne va pas faire comme ça, ok? Si vous n'avez jamais jeûné, rapprochez-vous de votre responsable qui va vous conseiller. Certains, si c'est vraiment trop difficile pour vous, parce que le but du jeûne, ce n'est pas de rester cloué au lit et de ne rien faire. Oh, je jeûne. Et puis tu es là, tu dors.
Tu dors toute la journée. Quand tu prends la Bible comme ça, je ne vois plus. Quand tu pries comme ça, je suis fatigué. Non, ce n'est pas le but. Quand tu jeûnes, tu dois prendre du temps dans la parole et dans la prière. Bon, maintenant, je sais que beaucoup, vous êtes étudiants, vous travaillez, tout ça. Donc, essayez de vous organiser par rapport à ça. Si pour vous, c'est trop lourd et que vous ne pouvez vraiment pas tenir, prenez une bouteille d'eau, OK? Buvez pour avoir un peu de force. Maintenant, ceux qui ne font rien, vraiment, non. Restez à la maison, vous jeûnez du matin jusqu'au soir et vous prenez beaucoup de temps avec le Seigneur. Les gens qui ont peut-être, je ne sais pas, des choses particulières dans leur corps et que voilà, le médecin dit non, machin et tout, ben vous pourrez venir nous voir aussi et puis on vous donnera des conseils par rapport à ça. Amen. Ok, gloire à Dieu. Alors, la deuxième chose, c'est par rapport à ce même mois, on parle de reconnaissance. Et n'oubliez pas, nous avons parlé de la salle de Rennes, la salle, en tout cas, qu'ils doivent acheter. Et on a demandé à chacun de faire une promesse. Si vous n'avez pas encore fait de promesse par rapport à ça, je pense que là, nous sommes autour de quoi? Est-ce qu'on est autour de 50 000, pas encore 47 000, je ne sais plus. Voilà, donc nous devons donner 52 000. Donc ce que Dieu met dans ton cœur, tu viens et tu sèmes ça pour acheter la salle de Rennes. Et comme j'ai pour habitude de dire, quand nous allons semer pour Rennes, nous aussi à un moment donné, on va semer également pour que nous ayons notre salle. Moi j'aimerais bien regarder, il y a jeûne toute cette semaine et à Paris, vendredi, je pense qu'ils ont une veillée de prière. J'aurais bien aimé qu'on fasse une veille de prière, mais cette salle-là, elle n'est pas à nous complètement. On ne peut pas faire, sinon il y a beaucoup de choses. On peut passer des soirées de louanges et d'adoration. On peut faire des programmes en semaine, pas que dimanche en fait, vous voyez. Mais il nous faut une salle. Et pour ça, nous devons attirer la grâce aussi sur nous, ok? Il y a une façon aussi de dire, Seigneur, nous voulons ça. Et quand on va faire des actes correspondants, le Seigneur va nous faire grâce afin qu'on ait notre salle pour pouvoir faire pleinement les activités. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous écoutez et que vous faites. Vous êtes un peuple formidable. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prier pour la fin. Je vais inviter mes amis pour prier pour la fin. Seigneur, nous te remercions, nous te disons, Seigneur, de tout notre cœur, merci, mon Dieu, mon roi, pour ces précieux instants en ta présence, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ton sang, Seigneur, merci parce que nous avons pu communier ensemble, Seigneur, dans ces temps, dans ces moments, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bon appétit à vous, rentrez bien. Attention s'il vous plaît. Alors pour les personnes qui ont assisté au premier culte, nous vous demandons de vous diriger à l'extérieur pour permettre aux personnes du deuxième culte de s'installer. Le deuxième culte commence à 12h45. Voilà, que Dieu vous bénisse.